Bonsoir à tous, 18h tout pile, c'est parti pour Zéro 1 Live Hebdo, comme chaque jeudi soir on débriefe ensemble l'actualité high-tech de la semaine. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous et ce soir un Zéro à Live Hebdo spécial drone à l'occasion d'une double actualité. D'abord dimanche prochain va se dérouler à Paris le festival Paris Drone, on en parlera avec Delphine Sabatier, ce sera le sujet de sa chronique Zoom Actu et puis surtout on répond à toutes vos questions à l'occasion de la sortie d'un drone qui devient vraiment accessible à tous. C'est le petit nouveau de DJI. David Noguera nous dira tout. Voilà, c'est le Spark. Ça va voler haut, c'est moi qui vous le dis. Un téléviseur à 7000 euros, Jérôme. Pour ce prix-là, qu'a-t-il de particulier Il a deux prises sur le côté. Et il est en couleur. Non, vous le saurez en découvrant ce soir dans 01 Live ce super télé. Il vient d'arriver au labo pour être testé. On va en parler encore une fois avec David Noguera qu'on a complètement, Mais si vous voulez, monopolisé. Ouais, Je n'ai pas fait. compris l'image de robinet qu'on vient de voir, mais, non, euh, mais parce y a que sûrement un rapport. Mais non, mais parce que c'est l'image qui est prochée de la télé. D'accord, il y a des documentaires voilà, sur les... C'est des tutos plombiers, vous allez vous régaler. Côté labo encore, gros plan ce soir sur un smartphone le smartphone HTC U11 qui a déjà fait pas mal parler de lui et eh bien ça y est il est sérieusement entre les mains des gars du labo Jean-Sébastien Zanqui viendra nous faire son petit compte rendu très bien et puis vous le savez vous pouvez interagir hein euh, nous sommes sur YouTube vous pouvez nous laisser yes. vos petits messages vos petites questions aussi sur Twitter avec le hashtag 01 live c'est parti pour ce 01 live hebdo les amis Mais avant cela, comme chaque semaine, la question 01Net Orange. Vous connaissez le principe, vous allez sur www.01nettv.com et vous répondez à notre petit sondage lié à l'actu. Aujourd'hui, on parle de drones donc. Alors tout simplement, possédez-vous un drone hein euh, Dites-le nous, oui ou non. Je répète l'adresse, www.01nettv en un seul Voilà, est-ce que vous êtes nombreux à profiter de ces petits joujoux magiques Dites-le nous, on vous attend. On aurait pu aussi poser une autre question. Est-ce que Jérôme Colombin fait son âge alors qu'il a fêté hier son anniversaire N'importe quoi. Non, c'est vrai quand même. On peut applaudir Jérôme quand même, attendez. Merci, merci les amis. Bon anniversaire, on n'a pas gentil. de cadeau. Ouais, J'ai un mug 0Net TV si tu veux. Ça me fait plaisir. Ça me en fait plaisir Oui, j'en ouais, avais pas. Tu as, as toujours rêvé d'avoir ça. Ben, il est à toi. Voilà. Attention, il vole aussi. Euh... Bon, mais je préférerais que tu m'offres euh, ce que David euh, a sous le coude là. Non, bah, c'est lui qui va te l'offrir, c'est ton cadeau, je crois. Ouais, voilà. Puis ça tombe bien, il y a le responsable de DJI qui, qui, le qui, voilà, qui, du qui est juste du n'y qui juste derrière. Pas, pas de souci. C'est bien, bien mené hein, quand mais même, oui. hein, cette histoire là. Mais comme ça, c'est fait. Voilà, c'est dit à l'antenne, on peut plus y revenir. Donc carrément, on a intitulé ce live Enfin, un drone pour les nuls. Ouais. Pourquoi David En fait, c'est quand même un. Très très bon drone. Pourquoi Parce que, effectivement, alors l'annonce, euh, elle a été faite euh, hier ou avant-hier, donc un peu plus tôt, euh, on a couvert ça. Et surtout, eh c'est ce matin qu'on a pu euh, l'essayer. Et la particularité de ce drone, alors qu'il n'est absolument pas une boîte. Regardez, non, c'était juste pour montrer euh, un peu le pour case, montrer, voilà. pour le transporter, parce qu'on le sait, il y a eu ce très joli Mavic Pro qui était déjà un petit drone, euh, que, qui, euh, bon, qui a d'autres compétences que celui-ci. Mais euh, regardez, là, celui-ci, il est juste carrément beaucoup 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 plus petit. Alors, il ne se replie pas hein, comme, comme le Mavic Pro. Là, il a fallu quand même garder une petite robustesse qui va bien pour il ce drone. Ça il, veut il dire se replie pas. Se plus rapidement. Mais du coup, coup ah, bah, du coup, c'est surtout qu'il reste quand même super compact. Donc, on a pu l'essayer ce matin et euh, on est surtout très content de l'avoir là sur le live. Et donc, ce Spark, c'est pour moi un produit. Euh, il devrait s'en vendre quelques palettes. Mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel la, la on particularité. Dit pour les nuls, surtout. Oui. Alors, Alors, la voilà. particularité, on va le voir avec les belles images qu'on a faites. C'est que ce drone, une fois qu'on le positionne, on l'allume, on le positionne devant soi, connexion avec le smartphone en Wi-Fi classique, et puis à l'arrière, il y a le petit bouton qui sert à la fois à l'allumer, et on appuie deux fois rapidement dessus, et le drone se met en position de détection. Et là, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que la lentille, qui est, la caméra qui est devant, euh, fait un petit panneau, euh, observe le, 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 ah, là, la personne là, en face là, là, de lui, dé détection du visage, et là, je reconnais l'être humain qui est devant moi et je peux le piloter. Comme ceci oh. avec la main. La Et alors, ça, voilà. Et donc, wow. c'est le pouvoir de la force, c'est Star Wars. Ah ouais, voilà, Star tout Wars. simplement, c'est un Jedi, ce monsieur de chez DJI. Et en fait, euh, c'est assez, assez bluffant parce que, bon, ça fonctionne bien. On a pu constater, quand même, là, on va pas se mentir, qu'avec les conditions qui sont extrêmement lumineuses, il y a parfois, il faut s'y reprendre à, à plusieurs fois. Mais donc, voilà. Donc là, ça, c'est les fonctions basiques. C'est-à-dire que juste, je peux. Excuse-moi, mais il a oui, une détection de que... visage, alors, en fait, c'est ça fait, comme un smartphone a... qui détecte alors, les visages. Il dé... Je pense qu'au démarrage, il détecte le visage parce il scanne quand même on a quand même vu les personnes qui devaient parfois euh, essayer de, de parfois aussi d'enlever de, les lunettes en l'occurrence des lunettes de soleil j'en suis c'est quand même mieux d'avoir un visage à en nu en voilà, en voilà. exactement donc un visage à nu donc je pense qu'il y a une phase de détection de, de visage et ensuite c'est dé la détection de la main et euh, aussi des mouvements du corps. Parce que ce qu'on voit là, c'est qu'il euh, lui demande de faire un selfie. C'est-à-dire qu'on a, je lance le, la reconnaissance, je parle avec le drone, enfin en tout cas je lui demande de me suivre en montrant avec la paume de la main, euh, de lui demander de se déplacer de gauche à droite. Au bas, tant que je lui tends la main, je peux aussi reculer et avancer. Le drone me suit. Ça c'est si je tends la main, mais il y a aussi une fonction d'active tracking qui est beaucoup plus performante, et je vais y revenir. Et il y a ensuite les mouvements qui sont, si jamais je fais au revoir au drone, eh bien il va s'éloigner prendre une photo, s'éloigner de 3 mètres, prendre une photo automatiquement et revenir. Et là, ce qu'on va voir, eh c'est moi qui essaye cette fonction pour la première fois. Je n'ai pas essayé avant. Et on va le voir. J'avais pas, pas rien. Et j'ai réussi à pas le pas faire. De smartphone pour, pour le non. Piloter. Alors, le smartphone, on le connecte parce qu'il faut quand même l'appairer à l'application. Mais euh, le, le, cette fonction de reconnaissance, je peux poser, mettre le smartphone dans, ma, dans ma poche, le poser au sol. J'en ai plus besoin. on brûle les questions. Allez-y, allez-y, vas vas vas-y, bah, Alors ton là, toi okay. okay. plaisir. Merci. <laughs> ok, c'est spectaculaire, mais c'est pas comme ça que tu vas le faire. Euh... Ah si, là t'arrives. Ah bah le... oui, là, là on peut. Loin. Et là donc j'ai pu l'envoyer loin. Ensuite, ouais. la petite euh, commande qu'on connaissait déjà, petite gestuelle qu'on connaissait déjà chez DJI, qui consiste à faire l'espèce de cadre photo. Le drone prend une photo. Puis il revient. On peut aussi, donc, pour le rappeler, il faut effectivement se faire ce fameux Y avec les bras. Il revient et ensuite on lui tend la main et il se pose. Mais si je veux faire participer à une course de drone, par exemple. Et après, c'est toute la magie du truc, c'est que là, c'est la partie pour les nuls, mais... On l'a titré pour les nuls, mais c'est un mmh. drone qui a quand même toute l'intelligence de DJI parce que derrière, il y a toutes les fonctions d'Active Tracking. Alors, je ne sais pas si on peut voir, euh, donc là, effectivement, il me suit. Je ne sais pas si on peut voir les images où je cours euh, et que le drone m'a repéré. Il y a toujours sur l'application euh, DJI, euh, là, pas, là, pas, là je suis allongé, ah. parce que cette, cette fonction, c'est la... Alors voilà. Donc là, wow. ce qu'il faut imaginer, c'est que sur l'application du smartphone, on a dessiné un carré. Euh, avec, où on me voit sur l'application, on, on dessine un carré, le drone m'identifie, on lui dit Go, et là il lance les fonctions euh, automatiques. En l'occurrence, on a vu le mode selfie, le drone s'éloigne euh, très, très loin, ça c'est euh, la fonction de tracking, où euh, je peux courir et le drone tourne autour de moi donc euh, c'est ah oui, assez il bluffant ah ouais, il tourne et il, garde, il, me, il me garde quand même pas trop mal dans ça le ça cadre de l'image c'est quand, quand même pas mal du tout et on a ensuite le dernier mode euh, qui est le mode roquette et ça ça va je pense bien bien cartonner aussi, c'est euh, se mettre au dessus d'un sujet et partir très très haut aussi, voilà, c'est ce fameux mode là Alors, je me suis allongé, j'ai pris une position très classe, on dirait une sirène euh, oui, c'est ouais, oui, oui, très très classe. Oui, oui. Hein. Absolument. Absolument. Voilà. Puis, puis, ça je me rends ça. compte que tu as un ouais, jardin ou... qui est pas mal du tout, tu as non. pas mal de place chez toi. Hein. On, ouais. voilà. on était dans un beau lieu. Oui, là, on a aperçu euh... la propriété derrière. Ouais. Ça me dit sais, quelque chose... Je ne mais... sais, sais pas si tu l'as dit parce que je suis subjugué par les images. Euh, tu, peux, tu peux le commander par les jusqu'à oui. quelle distance Alors, quelle distance En fait, je, on, quand on le pilote avec la main, on a la longueur du bras plus à peu près un mètre. Après... Lui, il nous voit plus loin, parce que lorsqu'on lui demande de prendre ce fameux selfie, qu'on l'envoie plus loin, il part à 3 mètres. On ne va pas aller jusqu'à, selon moi, au-delà. Parce que j'ai pu constater que lorsqu'on lorsqu l'envoie, euh, par exemple, prendre ce fameux selfie et qu'on bouge autour de lui, ouais. et même si on essaie de le rappeler, euh, Mais là ça ne veut plus, plus. Si on est trop, trop loin, loin, comment tu le fais ah, revenir alors en fait. Alors bah du coup, il faut se rapprocher je un petit f... peu lui refaire ce fameux mouvement de, de Y à partir de 3 mètres, par exemple. On lève les bras. Là, les LED se remettent au vert. Mais on ne peut pas te le voler si quelqu'un d'autre fait le ah fameux Y bah, Il faut qu'il saute quand même assez haut. Parce que s'il est à 3 mètres de haut, nous, il est aussi à 2-3 mètres de haut. Hein. Il est euh non mais c'est pas ça que ah, je veux dire, mais si quelqu'un fait bien. le fameux non, non. Y, il va... Il va ah, alors il faut vraiment qu'il se mette devant et, et que le drone le détecte. On a amplement le temps de... Soit oui, pousser voilà. la personne. Il, a, il va ouais. pas aller... Et pareil, de la même la, manière. Il ne l'aura pas identifié. Non, lorsqu'on lui, lorsqu lui, lorsqu lui présente la main aussi... C'est euh, la voix de son maître. Ouais. Il Donc, le je reconnaît je son pense maître. que... Alors ça ouais. peut arriver effectivement, mais bon, il y a quand même... Euh, il ouais. faut vraiment que quelqu'un aille quand même assez vite. Donc très rapidement, puisqu'on on va voir aussi des images du drone, il euh, y a quand même cette stabilisation euh, du, de, de l'image. Hein. On, on a une lentille qui est stabilisée euh, cette fois-ci, mais qui n'est plus sur une gimbal, donc on a plus euh, la possibilité de tourner. Juste le mmh. bloc optique comme on pouvait le faire avec, avec les autres produits, mais l'image est quand même assez fluide, assez stable. Et euh, il y a une des un des axes qui est cette fois-ci stabilisé pardon, de manière logicielle. La petite batterie, puisque c'est un petit drone, une quinzaine de minutes euh, d'autonomie, hein, on constatait, euh, c'est à peu près ce qu'on a eu euh, sur les essais, et toujours des fonctions euh, qui permettent avec euh, le retour euh, au point de décollage avec la petite caméra qu'on voit là. Pas de 4K. Pas de 4K, full, full HD, HD, 30 images secondes, 30 images retour d'image sur, euh, sur le smartphone avec toutes les fonctions. On va le tester plus longuement ouais. parce qu'il va forcément falloir euh, le tester. Et le prix Et le prix, donc 599 euros pour la version de base. C'est vraiment la version de base parce que c'est le drone. Euh, plus une batterie avec son câble et après quand on veut commencer à avoir quelque chose de plus sérieux, une deuxième batterie un chargeur secteur, les câbles de charge etc. On est, et les protections d'hélices, on est à 799 euros et pour moi euh, il serait et la télécommande aussi il euh, y a, le, y a la, la télécommande et pour moi c'est pour ça que je pense qu'il serait dommage, je peux comprendre qu'on se dise j'achète ce pack là et puis j'achète les options plus tard mais euh, s'il y a une promo ou en tout cas si on peut se le permettre il ne faut absolument pas se priver de, de, de la version à 799 euros parce que en plus il a un mode sport accessible que depuis la télécommande mmh. et la télécommande je l'ai déjà dit mais ça change tout en termes de pilotage donc l'intérêt majeur c'est la photo l'utilité principale oui ouais, et puis ça. vraiment le côté je fais mon selfie mon drony en, en mon drone de ça me rappelle quelque chose qu'on avait vu euh, au voilà c'est ce qu'on voit là sans... c'est le fameux carré vert c'est euh, lorsque je dessine le personnage euh, d'identification oui, le drone selfie oui, oui. ce, oui, ce -là. fameux drone selfie c'est là... pas tout à fait la même chose hein, si je puis me permettre non. parce que c'est il y a encore voilà, le over bah, je ne sais pas si oui, je pense que tu si veux si le voir. je me souviens, c'est le. Effectivement. Voilà, c'est celui-là. Le qui est un truc Tout qui est beaucoup, est beaucoup mmh. plus gadget. Hein. Je ouais. pense qu'on n'est pas voilà. Mais lui, il vous suit carrément. Voilà. Ouais. Euh, bah comme un petit chien. Et alors, il est sorti celui-là. Hein. Il vient de sortir. Il est disponible sur l'Apple Store à 600 euros. Tiens. Ouais. Ah, mais alors... sur, sur un. Là, c'est vraiment un produit qui a été en plus euh, très pensé pour le pour les, 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 les plus novices, mais. Évidemment, il hein, y a des fonctions de tracking là-dessus. Hein, euh, sur euh, DJI Spark, euh, mmh. pas de problème. Hein, le drone peut, euh, peut nous suivre, éviter les obstacles, euh, sur, en tout cas les obstacles devant, pas derrière. Alors, euh... on, on, on va parler, de, dans un instant, on parlera un, un petit mot quand même de la réglementation, tout ouais. ça. Il faut rappeler, il y a des choses à rappeler, euh, où est-ce qu'on peut faire du drone, etc. Mais avant, qu'est-ce que c'est que ce... Eh bien, ça, c'est les chose, lunettes. C'est-à-dire que c'est les lunettes pour voler euh, en immersion, les fameux euh, FPV euh, qui euh, qui sont quand même euh, pas évidents, il y a quand même pas mal de contraintes. C'est euh, impressionnant. Là, mais hein, du coup, avec celui-ci, wow. et c'est surtout qu'on bah, a eu quand même quelques démos, quand on a un drone... Alors en l'occurrence, j'ai surtout apprécié moi avec le Mavic Pro qui est vraiment un, un super drone parce qu'en plus il a une image assez incroyable. Mais c'est pour le Mavic Pro et pour celui-ci ouais. et on, a, on fait des vols en immersion incroyables. Alors effectivement, il faut garder le, la, la personne pilote le drone mais n a, ne porte pas le casque et, euh, et la personne qui est à côté peut, peut regarder des images comme ça aériennes et c'est assez dingue. Donc ça... Ça coûte, ça coûte, il va falloir me rappeler, euh, 599, 540, 549, 549 euros. 549, voilà. Il me saute le DJI qui ouais, souffle. Ouais, c'est ça, j'avais un petit la doute, la euh, dernière dernière. je voulais gonfler 50 <laughs> euros tout de suite. <rire> <rire> non, non, 599. Donc plus euh, le, les, les deux ensemble. Là, ça, ouais, on ça on est, commence à être ouais. sur, un, sur un bobo beau pack, là c'est pour les passionnés. non mais quoi on met un smartphone, non Ah non, non, c'est retour d'image. Non, non, tout y est, d'ailleurs, c'est un peu lourd. Non, non, il y a un bel... Ah oui, retour d'image, et en plus, on a une télécommande manuelle. Il y a la télécommande qui va bien pour piloter. C'est un gros j'allais dire c'est un gros truc hein, le oui, ah, oui, oui. c'est pas euh... non ça c'est déjà euh... c'est pas des hololens oui. quoi c'est un peu plus un peu plus gros, un beau joujou hein. d'accord parfait bon, et quand même question oui. alors, où est-ce qu'on peut euh, où est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'utiliser ce genre de joujou parce qu'on a vu que tu avais ah, un et... immense jardin j'imagine que là oui. as le droit en Mais fait c'est euh, compliqué. compliqué il faut vraiment suivre ces cartes alors c'est des discussions que j'ai eu notamment euh, c'est très bien parce que j'ai pu poser pas mal de questions euh, DJI on, on sait que on avait euh, de notre côté, alors c'est vrai que c'est un peu le, le, le côté euh, coulisse, mais on avait du mal à, à avoir des, des réponses. Et là, en l'occurrence, à Paris, il s'est créé un, un bureau où on a une personne qui s'occupe de, de, de la législation. Et donc on a pu un petit peu mmh. euh, le solliciter. Et en fait, cette législation, elle évolue pas beaucoup. Il euh, y a encore pas mal de, de, de doutes. Ce qui est sûr, c'est que ça changera, mais à horizon 2018. Donc ils travaillent, tous les constructeurs mmh. bossent avec euh, la DGAC, avec euh, les, la Fédération française d'aéromodélisme pour essayer de créer un cadre, mais qui soit intelligent. Parce que moi, je lui dis oui, mais le, le, le droniste aujourd'hui de base, quand il doit aller se taper les cartes pour comprendre où il a le droit de voler et où il n'a pas le droit de voler, c'est quand même très très. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi Je dois ouvrir une carte, je dois aller sur un site. Enfin, je, je, je fais comment bah, pour faire le, Moi, je là, recommande. Voit, là, 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 tu étais dans le jardin du, du château. Du, du château, c'est ouais, ça. Ouais. C donc, c'est autorisé C'est une propriété privée et que du coup, on a pu. Et puis l'espace est immense et du coup, je pense que il n'y avait pas de voisins. Pas d'autorisation particulière. Bah, je ne sais pas. pas de... Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autorisation euh, particulière. Parce qu'il y a des lieux maintenant où on a véritablement le droit, comme en région parisienne il y a l'hippodrome de Longchamp je crois. Et puis je crois qu'il y a du côté de Vincennes aussi. Ouais, mais euh, c'est très encadré, mais... je sais pas s'il faut et pas réserver je... des créneaux, et et etc. Moi honnêtement je à part moi je serais vraiment pour le recommander alors plutôt un, un club parce que c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas quand on a un drone comme ça et mmh. qu'on veut faire vraiment faire des trucs sympas... Mais on retombe un petit peu sur les travers du modélisme, qui était quelque oui, chose de fait, réservé vraiment à un public oui. de niche, à des passionnés, oui. etc. On a l'impression mmh. que la législation aujourd'hui ne nous permet pas à nous, comme un des mortels, d'aller dans un parc. Et, et, faut... et s'en servir de manière transparente. Je veux La... dire, on n'a pas le droit ouais. de faire ça. Qu'est-ce qu'on risque, tiens euh, ouais, je, je suis, au, je suis euh, au parc à côté, là. Si tu fais du drone, qu'est-ce que je risque S'il tombe, tu risques surtout de blesser quelqu'un. Ouais, non, si euh, euh, non, non, mais après, mais on peut très bien imaginer que je fasse attention, qu'il n'y ait personne, etc. Mais hum. si, Quel, si, si. En, cas, en cas de dénonciation, bah, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Après, mais euh, on risque d'avoir une amende, c'est ça Lorsque ce n'est pas autorisé, oui, je pense que ça peut même aller jusqu'à la confiscation du drone. Après, sur des produits comme ça, qui sont intelligents, il y a des non-flying zones, qui, suivant différents modes, parce qu'il y a des modes où euh, va y avoir euh, l'idée de DJI, c'est pas de, de bloquer complètement l'utilisation du drone. Donc l'utilisateur va recevoir une première alerte pour lui dire attention, vous êtes dans ah, un endroit. C'est dans une zone où tu peux pas en faire. Et en fait, vous êtes dans une zone sensible. Il y a de la foule. Euh, vous oui, êtes oui. dans un quartier euh, au-dessus, je sais pas, au-dessus du jardin des Tuileries, par exemple, ce genre de choses. Attention, euh, maîtrisez votre drone, gardez-le bien vu, parce que les 10 règles de la DGAC, elles sont connues. Hein. Mmh. Ne pas voler euh, au-dessus d'une foule, avoir son drone à vue. C'est pour Exactement. ça que le, le FPV est pas euh, pas, est pas à proximité euh, d'un. Euh, Aéroport, exactement. Zone et sensible. ensuite, il y a des zones qui passent catégorie jaune, où là, il va falloir avoir des autorisations. Et donc, pour parler du cas DJI, puisque j'ai pu parler avec euh, avec ce, ce fameux euh, cette fameuse personne chargée en, sa, en chargée de la législation, eh bien, euh, eux ont la possibilité de se créer un compte sur la plateforme DJI, de s'identifier et de Partager ensuite des autorisations. Et donc là, je vais pouvoir débloquer un vol euh, au-dessus d'une un, zone protégée et faire comme ça des images. Et ensuite, mmh. il y aura les aéroports, les centrales nucléaires, etc., qui seront vraiment inaccessibles. Bon, il y a un site officiel, hein, ouais. en fait, en cherchant un peu. Ah oui, oui, il y a des euh, scène sur les zones oui, bien autorisées. Bien sûr. Mais, euh, je ne sais pas, pas si etc. on peut avoir le retour là, mais enfin c'est euh, ouais. bon, bah, voilà. il, suffi, il suffit de <laughs> regarder. Pour ça, j'en parle, mais, mais c'est. Euh, Compliqué, ouais. c'est compliqué à comprendre. Il Faites faut, attention, euh, il puis on n'a faut... pas non plus le droit de, de filmer des gens euh, sans ouais, leur autorisation, tout en tout cas de diffuser les images euh, après coup, etc. Il etc. Euh, y a quand même beaucoup beaucoup de, de contraintes. Il y a des endroits où c'est toléré, donc euh, bon, on peut essayer après. Dans le voilà. salon, hein, mais bon, non mais il y pas y avoir des, trop non, de il des, blots, quoi. Des, <laughs> ça. Il y a des grands champs où ça peut se faire. Mais... Merci bon, beaucoup. Très bien, David. merci beaucoup David Noguera. Euh, un petit tour sur le du côté du sondage Allez, on y va. Puisqu'on vous question, pose la question, hein, la question 0 net, possédez-vous un trône, possédez un trône. Voilà. Euh, Eh bien voilà, oui, 32%, 32% oui. Alors bon, ce n'est pas, pas surprenant hein, finalement, parce que c'est quand même pas un truc qui est encore... Vraiment, ouais, vraiment c'est quand généralisé. même intéressant de mais voir qu'il y a un tiers des gens qui nous regardent qui ont un drone. C'est beaucoup, je trouve. Tant fait. mieux. Ben voilà. Mais c'est vrai que quand on est geek, c'est quelque chose qui fait rêver. Hein. Le fait de pouvoir de se faire des, des, des belles vidéos, on fait des plans magnifiques aujourd'hui. Et on n'a pas abordé le, modèle, le monde de professionnel. Mais le, le, oh. le, le monde audiovisuel professionnel, ça a complètement révolutionné euh, des prises de vue. Hein. Le drone, il ne faut pas oublier, c'est le descendant du smartphone d'une certaine manière. Hein. Ces trucs-là ont existé parce que oh. le smartphone s'est démocratisé. Tous les composants, les prix. Des capteurs ont baissé etc etc ouais. bon allez on va rester dans les drones ouais on reste avec dans les drones dans un instant delphine euh, tout sabatier tout de suite, et avec son zoom Actu. et puis je vous rappelle que évidemment nous sommes en direct vous pouvez nous laisser vos questions vos messages hashtag 01 live ou sur euh, les commentaires de youtube elle est parmi nous, Delphine Sabatier, bonsoir. Salut Jérôme. Bonsoir. bonsoir. Directrice des rédactions de Zéro Unet. Bonsoir tout le monde. Delphine, ce week-end, donc le week-end qui arrive, va se dérouler à Paris, le festival des drones. Euh, bon, est-ce que ça vaut le coup d'aller y faire un tour ah ben, Je recommande à 2000% à laisser tomber le week-end tranquille <laughs> à la campagne. Venez en prendre plein les yeux et les oreilles à Paris. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut assister à une course de drones. Rendez-vous, c'est dimanche sur les Champs-Élysées. Euh, je ne parle pas juste d'une petite... Course d'amateurs avec des vols comme ça improvisés. Non, non, il y aura 36 pilotes vraiment high level hein, qui viennent de 13 pays. Ils vont tous se bagarrer comme des morts de faim pour remporter la première manche de la Drone Champions League. Ah, c'est comme au football. Hein. Donc ce sera vraiment du spectacle de haut vol si je puis dire. Et les festivités démarrent à midi. Ça ferme à 18h, c'est gratuit. Vous pouvez y aller. Euh, la météo dit qu'a priori, il fera 21 degrés, ce qui est plutôt agréable. Wow. Et ce sera juste un ciel couvert de drones, mais sans pluie. Oh. C'est vrai que ce n'est pas ordinaire un circuit de course de drone, mais ça ne va pas être simple aussi à organiser, surtout en plein Paris. Effectivement, alors vous imaginez euh, tous les marquages au sol euh, qu'il y a dans les circuits de Formule 1, les chicanes, et tout ça. Eh bien, il faut reproduire la même chose de manière aérienne. Alors là, les champions ils vont survoler, vont faire un aller-retour en fait, sur la partie supérieure des champs élysées Il va y avoir une volière géante qui fera 15 mètres de large. Euh, ça permet d'éviter évidemment que les engins se perdent dans la nature, voire ouais. blessent un spectateur, ce qui pourrait être un peu plus Parce embêtant. Que ça va super vite. Hein. Ça va super vite, ils peuvent aller jusqu'à 140 km heure. Wow. ils vont de 0 à 100 km heure en 1,8 secondes. Je Donc c'est assez surprenant. Euh, les images sont spectaculaires. Ça c'est l'édition de l'année dernière qui était ouais. la première mondiale à Paris. Donc là c'est la, vra... la deuxième édition. On aura aussi du grand spectacle. Voilà. En plus à côté, il y aura des stands, des clubs qui pourront vous renseigner justement sur où je peux voler, quand des je peux dogs, voler, peux euh, à quelles ça. conditions je peux voler avec mon drone. Voilà. Même avec un drone de loisir, on ne fait pas tout ce qu'on veut, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais Delphine, a priori, on ne verra pas à Paris le drone qui pour à laisser bouche b les spectateurs de la coupe de foot du portugal est eh est oui. que ça là, là je vous ai quand même dégoté la vidéo de drone imbattable de la semaine je vous invite à la regarder. Alors voilà, on est donc à la finale de la Coupe du Portugal. Et il y a incroyable. un type euh, qui est venu apporter le ballon du match, en fait, à l'arbitre. Mais il n'est pas venu n'importe comment. Il est venu sur un drone en forme de skateboard géant. Je ne sais pas si c'est un drone ou un overboard. Enfin là, c'est un overboard. Oui, c'est ouais, ouais, mieux que Ressort vers, le, que futur, que hein. vers le futur, exactement. Euh, en fait, c'est l'œuvre de Canadien Domni Overboards. Le premier prototype est même entré au Guinness des records pour la, la distance qui a été parcourue, plus de 250. 75 mètres, c'est vraiment époustouflant là quand on voit les images. Alors faut quand même être un super bon équilibriste hein, pour tenir ah, sur ça. sur ce drone volant. Moi je cherche un volontaire pour le test. François, François est volontaire. François, Jérôme. François un, oui. un hein Alors, équilibre hors pair. On se lancer là. Le problème c'est que je crois qu'il faudrait perdre un petit peu de poids. Mais enfin pour ça c'est un autre <laughs> débat. Alors il y a aussi un autre drone spectaculaire, Delphine, et qu'on pourra bientôt emprunter, c'est le drone taxi. Oui, alors ça c'est le must de l'été si on passe ses vacances à Dubaï. Bon. Ah Voilà. Alors il faudra ça. aussi se tenir à carreau parce que cet été on aura aussi des robots policiers à Dubaï. C'est vraiment devenu l'Emirat euh, l'endroit où on, on teste tout ça, toutes les innovations. Euh, les taxi-drones ce sont des Chinois euh, qui le proposent. Leur nom c'est Yi Hong 184, le même. celui qu'on a vu au CES en 2016. 2015. Et 2015, ah, non, ah non, 2016, Mais, 2016. Bon, 2016 et 2017. J'avais noté pardon. 2016, moi. Oui, c'est ça. Voilà, donc euh, ils sont tout petits, évidemment, ils ne peuvent accueillir qu'un seul passager. Ce sont des taxis autonomes qui fonctionnent tout seuls. Euh, voilà, donc c'est le grand luxe. Mais je dirais que là aussi, c'est un peu le flip total le parce grand que quoi euh, je ne sais pas qui va se risquer <laughs> à monter dans un taxi qui conduit tout seul. Dans les airs. Alors voilà, on attend des nouvelles des autorités euh, euh, doubayotes pour savoir si effectivement ça arrivera en juillet, comme ça a été promis, juillet 2017. Je n'ai toujours pas non plus trouvé de vidéo avec quelqu'un à bord de cet appareil. Ah, si tu essaies, moi je veux bien y aller François, après. Donc d'abord j'y vais en premier d'accord Comme ça je te prends en photo oui voilà, voilà donc et je vous le montre peut ma dernière photo. de l'été mais on peut douter que ça arrive concrètement voilà je attendez juste... vous rigolez mais peut-être que dans 30 ans 40 ans les uber ce seront des, ouais. des, 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 trucs, des trucs comme ça ouais, mais oui donc... rêvons de la vie en droit. Voilà, ouais, on parle le... de voitures <laughs> autonomes peut-être que dans 20 ans 30 ans on parlera de, de drones autonomes <laughs> qui nous transporteront euh, partout beaucoup de problèmes quand même merci bon, delphine moi <laughs> ouais, je suis sceptique ouais c'est sûr que c'est quand même assez flippant tout ça merci beaucoup le zoom Actu, chaque jeudi soir et dans un instant Évidemment, que serait un, un la Hebdo sans, sans smartphone, Jérôme Pas Et sans chose. produit hors norme, vous allez découvrir un téléviseur euh, assez étonnant. C'est Jean-Sébastien Zanqui qui nous a rejoint. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir à tous de la rédaction de Joranette. Et David Negara est à nouveau avec nous. Oui. Est-ce que vous avez chacun un petit joujou à nous présenter ce oui. soir Alors oui, enfin, par quoi. Euh, David, c'est un gros joujou. C'est un gros joujou, si je joujou oui, David, je crois. Donc, on va le garder pour la fin parce qu'il faut qu'il vienne avec des roulettes, déjà parlé. Enfin, c est, c est, avec un diable, etc. <laughs> euh, petit smartphone, Jean-Sébastien euh, oui, enfin, Petit smartphone, oui, 5 pouces euh, et demi. On donc, en a parlé euh, la semaine dernière, je crois, avec Stéphanie. Ce pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Ouais, ouais, on l'a voilà. reçu et là, ça y est, on l'a enfin testé. Euh, donc, on a le verdict de ce HTC U11 qui est le haut de gamme de la marque taïwanaise, euh, donc vraiment euh, tout simplement un, un concurrent direct du euh, Galaxy S8, mmh. du LG G6, voilà tous ces smartphones qui sont sortis euh, récemment et qui nous ont fait euh, forte impression. Euh, donc HTC euh, doit quand même jouer gros face à ces à euh, à ces, euh, ces, ces acteurs-là, mmh. puisque euh, voilà on a eu quand même des, des avancées technologiques sur ces modèles avec des écrans euh, quand même qui font toute la face avant, euh, parfois des doubles capteurs, donc on avait hâte de le tester. Euh, alors, Alors, verdict. Verdict c'est un très bon téléphone oui. euh, il est puissant il a des Snapdragon 835 donc de la dernière plateforme de quadcom euh, en photo il est plutôt euh, il est plutôt bon mm -hmm. même s'il n'arrive pas forcément à la qualité euh, vraiment excellente des LG G6 ou des Galaxy S8 euh, on est aussi euh, ravi par l'écran qui est de très bonne qualité très lumineux très contrasté c'est euh, très, euh, très joli un petit peu moins par l'autonomie pour le coup on l'a mesuré seulement à 7h45 en utilisation polyvalente c'est pas extraordinaire euh, en revanche il y a des petits plus qui sont assez rigolos comme la possibilité de presser les tranches du téléphone. Voilà, c'est un peu l'effet waouh de ce téléphone. Lancer, voilà, pour lancer des applications au choix. Alors par défaut, c'est l'appareil photo qui est connecté, et, enfin qui est câblé sur, ce, sur cette fonctionnalité-là. On peut choisir n'importe quelle application, on peut choisir de faire une capture d'écran par exemple. Et euh, quand on est dans l'appareil photo, même quand on presse encore les, les bords, ça prend une photo. Donc euh, c'est assez rigolo, c'est pas forcément ultra, euh, ultra indispensable, mais c'est une fonctionnalité euh, plutôt originale. Euh, voilà, donc euh, c'est un appareil qui est bon, mais... Malheureusement, euh, quand on reste un peu sur notre fin, on hein, te donc, pas les fait feu, waouh. Ouais. Voilà, euh, effectivement, on aurait aimé que HTC intègre un écran, voilà, sur la, sur la face avant euh, entière. C'est quand même, c'est devenu, ça va devenir la norme sur les sur les haut de gamme. C'est le cas chez LG, c'est le cas chez Samsung, ça va être le cas chez Apple à la rentrée certainement avec le nouvel iPhone. Le nouveau es Essential aussi. Exactement. Par voilà, Andy le, Robin, le, le Exactement. Euh, c'est vraiment euh, la tendance des, des modèles des modèles haut de gamme, quoi, très haut de gamme. Donc euh, c'est c'est un peu décevant de, de que euh, htc euh, voilà et, et sont un petit peu à la traîne euh, là dessus et, et c'est dommage parce que c'était une marque euh, qu'on aimait beaucoup qui a eu quand même un petit peu de mal euh, dernièrement à faire des, des téléphones incroyables celui ci est plutôt euh, plutôt bon voire très bon mais il manque ce petit truc qui fait que à 760 euros bah, je préfère mmh. autant acheter euh, un LG G6 La que euh, Sébastien ça il est à fond le sur le borderless là, hein. il ah bah, on n'a plus le choix, de plus choix euh, sur fini. des très hauts de gamme à 750 euros 800 euros on est obligé d'avoir du borderless maintenant quand, mmh. quand euh, Samsung LG en propose et que tous les ténors du haut de gamme vont proposé. Qu'est-ce qu'on a valorisé face à eux si on n'a pas ça Et surtout quand on compare un téléphone borderless à un autre qui a des ouais. bords traditionnels, voilà. Comme par exemple l'iPhone 7, on se dit qu'il y a un, un gouffre de, oui. de, de technologie entre mais les complètement. deux. En fait, hein. Et en plus, ce qui est fou sur ce 7U11, par exemple, c'est que l'écran est de 5,5 pouces, mais que malgré tout, même s'il n'occupe pas toute la face avant, ils auraient pu mieux l'intégrer. Là, par exemple, il, il fait la taille presque d'un iPhone 7 euh, Plus, donc qui n'est pas non plus euh, le, 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 le téléphone ou l'écran le mieux intégré. Il est gros, l'iPhone 7 Plus, un design qui a 3 ans. Et et HTC arrive à peine à faire mieux que ça. C'est un petit peu dommage parce que tout le reste tout le reste vaut vraiment le coup. Donc euh, voilà, on espère que HTC arrivera à se hisser aussi, aussi haut on que, rappelle que le les prix autres. Que 760, euros. 760 euros. Ouais. Ça va être compliqué pour HTC quand oui. même, Et je oui. pense. Euh, merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Sébastien Zanki. David Noguera est venu avec un joujou un petit peu plus gros. Rolement de tambour. On aura non du non mal à le rentrer dans la poche. celui-là, celui-là, celui effectivement. Non, on a testé euh, et on a vraiment beaucoup, beaucoup apprécié le nouveau téléviseur. <laughs> Il dit ça avec Panasonic des très dans la voix. OLED. Ouais, non, c'est <laughs> c'est ça. Alors, ce Panasonic. Alors, allez, sa hein, référence, j'essaye. TX65EZ1000E. Ouais, ah, oui. petit Viera qui mal. va bien juste devant. A tes souhaits. Euh, ouais. Alors, c'est une dalle LG. Hein, alors, pas de surprise. Et on le sait, euh, Sony euh, et euh, Pana et d'autres se fournir chez lg et puis après ils appliquent leurs petits réglages dedans et là c'est là que la magie opère parce que Réglage quoi hardware euh, software, software, essentiellement. software ils essentiellement ils mettent leur puce ouais. effectivement ils ont leur processeur ouais. et justement c'est là que, que le, mal, le processeur de Panasonic fait très très mal parce que la qualité d'image elle est sublime si on se fie aux pures mesures de notre sonde le LG W7 qui est le modèle signature à wallpaper ultra fin avec la connectique déportée ce qu'on a vu là ce qu'a fait le buzz au moment du CES et qu'on a testé aussi par ailleurs est un petit peu meilleur euh, côté image en tout cas et euh, mais ce modèle, il est excellent. Donc une colorimétrie de dingue parce que c'est de l'OLED, des noirs infinis et surtout des modes comme ce qu'on voit là. L'image de THX Brightroom qui euh, permet d'avoir une superbe image et en plus de conserver le petit grain cinéma qui va bien mmh. quand on regarde un film et qu'on est un petit peu passionné. Si on est fan d'images un peu, euh, vidéo, un peu euh, vidéo, un peu vidéo, un peu, il faut que ça soit ultra ouais, il faut fluide, il ouais, faut que ça pète, etc. On prend le THX cinéma ou le mode cinéma standard et on se fait plaisir. Mais si on est fan de, de, de ciné et qu'on veut avoir une très grande dalle en plus parce que c'est du 65 pouces, là ça le fait bien et ils ont vraiment très très bien bossé et très très bien bossé Donc, aussi sur conserve son leadership. leadership. On peut ouais. dire ça. Alors, on a quand même des modèles C7 de LG là qu'on est aussi en train de tester qui font mal. Enfin, je ne vous le cache pas, ça, ça, promet. Il va y avoir une, une franche bagarre là euh, entre PANa, LG et euh, Sony. Ça va, ça, on sent bien qu'il y a du challenge sur sur le LED. Alors on nous demande Donc. sur le chat sur YouTube le prix. Non non, on va attendre un mmh. peu. On, on va attendre un petit peu. Faites oui. sortir Allez, les restez. enfants et les âmes sensibles. <laughs> on fait mariner <laughs> un là. petit peu. On fait Alors, mariner. Pour le prix. On a aussi, donc, cet upscaling, juste un petit mot, le test est en complet est en ligne, hein, il faudra, il faudra le lire sur zero.net.com. mais on a un très très bon travail aussi sur la TNT, et ça c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent, l'upscale de la TNT, regarder ses programmes de tous les jours mmh. avec une bonne qualité d'image. Ah ouais. Et là la promesse là, le, 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 le cas en, en, actif, natif qui ne sont entendu. pas en tactile mmh. en active, évidemment. On a un système qui est Fire OS, qui est fluide. Sur notre version d'essai, on n'avait pas Netflix, mais on avait tous les autres toutes les autres applications qui fonctionnaient bien. On a ces télécommandes qui sont quand même euh, magnifiques, télécommandes, rétroéclairées, finition métal, une deuxième télécommande avec euh, le petit pavé tactile qui va bien pour piloter euh, tout ce système. Oui. Et là, je termine avec un autre caviar. Il faudra là encore aller voir la vidéo. J'ai une question. Le son. Ouais. Mmh oui, le son, son exactement. Technics, ah ben bah voilà, réponse. 80 watts et une wow. qualité. On est pour écouter de la musique. Et, euh, et regarder ces films c'est bluffant vraiment c'est dire que j'ai c'est ah le ouais. premier téléviseur où je me suis dit là s'ils avaient mis un petit truc bluetooth pour que j'ai juste à couper le, mmh. la dalle et que je puisse balancer mmh. le son de mon smartphone sur l'enceinte j'aurais été ravi malheureusement c'est pas le cas c'est un petit bémol mais euh, voilà. le son est vraiment très très bon Alors très attends, très, très la barre la barre de son du euh... téléviseur non non la barre de son elle est sous elle le est... téléviseur au niveau du pied euh, non ah, c'est en pied. fait elle, elle est intégrée dans le pied en fait le pied fait un espèce de v lorsqu'on le regarde de et sur ce retour comme ça on a une barre de son qui est légèrement inclinée à 30 35 40 degrés donc le son nous arrive vraiment euh, bah, bien bien en face ça joue aussi un petit peu de la, de la réverbération des murs et on a une très très bonne qualité audio on a dit la taille ou pas 65 pouces 65 pouces ouais. donc 7000 euros on a quand même une voilà donc le prix. 000... <laughs> ça, ouais. ça, fait, ça fait cher quand même si, si on prend la concurrence, on est dans la même gamme de prix, que chez la même LG gamme, ou chez, même chez Sony qui tout fait, fait de l'LED ouais, aujourd'hui. On est dans la même gamme. Le, le, le Sony était de mémoire 1000 euros moins cher, euh, 1000 à 1200 euros moins cher. Ce qui a été euh, étonnant, ça a été que lorsqu'on est allé tester le W7 de LG, le prix était tout de suite annoncé aux alentours des 10 000 euros, mm -hmm. et finalement ce W7, eh ben, il est aussi à 7 000 ou 7 500 euros. C'est bien. Il commence à avoir une concurrence quand ouais. même sur le ah, Je pense gamme, que mais donc, tout le monde se tire la bourre un peu. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment. Cool, hein. Ça fait 107 euros le pouce. <laughs> C'est calculé. Bon, moi je vais la prendre, je vais prendre juste 5 pouces. C'est ça. Un smartphone, quoi, en gros. Ouais, un petit. Ça. LED comme ça. Là. Donc euh, bientôt euh, les C7 et les QLED de Samsung. Il faudra revenir. Voilà, et on va voir donc la bataille QLED OLED. Hein. Exactement. Euh, QLED -OLED, ce que ça donne. Merci beaucoup, ouais. David, euh, David Nogueira. Donc euh, 18h32, on va se dire au revoir. Peut-être un, un dernier mot sur le sondage, euh, oui. la question aux états orange Jérôme. Possédez-vous un drone euh, vous-même, personnellement, euh, à votre intention, à vous Eh bien oui, à 30%, non à 70%. Voilà, on reste toujours dans la même proportion. Un tiers d'entre vous possède un drone, c'est... C'est assez étonnant ce chiffre. Ouais, c'est assez intéressant. Il y a encore un marché hein, pour les marchands de drones. Ouais, c'est sans doute aussi <laughs> parce que c est, c est, ça reste ouais. quand même. Et puis j'ai vu passer hein. des commentaires de gens qui disaient enfin euh, nous on avait des réflexions un peu de citadins, là mais ceux qui habitent à la campagne en revanche se ah, régalent. Ah oui. Ah ben bah là aucun euh, problème. Ouais, et puis drone euh, dans les champs. et puis vraiment il y a eu un pour les professionnels de l'image, il y a eu un alors c'est pas des c'est pas des DJI Mavic qui vont acheter mais plutôt des Inspire, euh, Enco et puis des trucs où ils peuvent carrément mettre des vrais appareils photo qui ouais. filment. Mais mais euh, c'est du, du oui, on est bien ouais, sûr est sur pro. du pilote, mmh. oui. voilà merci la fin. merci à vous de nous avoir suivis à la fois sur Zéro TV tv sur youtube aussi merci pour tous vos commentaires qui sont très sympathiques on se retrouve bien sûr Jérôme la semaine prochaine pour oui, prochain on se retrouve Zéro, lundi soir lundi soir en live lundi soir c'est lundi c'est lundi de Pentecôte ouais. vous serez peut-être en week-end mais surtout connectez-vous à 18 18h45 19h pourquoi Parce qu'il y a un événement. Et oui, la WWDC de Apple. Vous savez, cette petite marque qui fabrique des smartphones et plein d'autres choses. Mmh. Eh bien, cette conférence développeur est toujours très intéressante parce qu'on découvre un petit peu l'avenir d'Apple, notamment dans le soft, mais on risque d'avoir quelques surprises hardware ouais. mmh. pour cette WWDC. Donc si vous voulez tout savoir en direct, ça sera sur 01Net TV. Lundi soir à partir de 18h45. Merci à Pierre Thiolin, à Thomas Romiret qui ont assuré la réalisation, la réalisation technique de <laughs> ce live. On vous souhaite une très très bonne soirée et à très vite. Salut à tous.